pas le temps de couper le micro. Enfin, ce moment en éternel, c'est que j'ai pas été assez rapide. Je vais vous faire ma ration chevet tonique. Porteur sonore, mais c'est pas grave. J'ai récupéré mon acte de ressources, donc en soi, moi je suis pas triste. En plus, ils vont avoir un gros problème contre mes chevaliers titanisés. Parce que les plus 5 d'armure d'un coup de troupe, c'est énorme. C'est à ce moment-là en gros que les chevets teutoniques deviennent un gros problème pour toutes les factions de corps à corps, c'est que... Autant quand ils sont que standard, ils ont quand même que 7 d'armure avec les améliorations à la force, tout ça, c'est gérable, mais quand vous passez déjà à 12 d'armure, même par défaut 10 contre 5, de toute façon là vous voyez, avec juste quelques chevets teutoniques, je fais un carton. Voilà, il se prend 4 de dégâts par coup. Et lui s'en prend quasiment 10. Il s'en prend 12. Voilà, et au fourneau bientôt, encore la troupe. Donc là plus sérieusement, si je peux récupérer mes ressources, je suis content, si je peux pas les récupérer, tant pis. Venise pose quelques problèmes. Même quelques gros problèmes. Bon, au moins je récupère de l'orgue en quantité plus que raisonnable. Alors, paladin contre chevet teutonique gagne, bien évidemment. Bah moi j'y suis avec une évidence, mais comme l'unité est tellement fumée, je pense que vous en êtes deviné aussi que il n'y a pas vraiment d'équivalent des autres factions pour... Enfin, quoique, avec le DLC de Forgotten, on a une cavalerie qui est ultra fumée aussi. Dans la même logique d'esprit que là. En fait là je suis en train de réfléchir, mais en soi Badou serait largement possible à prendre en fait avec les troupes que j'ai. Enfin pas avec, mais avec, si j'envoie l'ensemble de mes troupes en rouge, je pense que je pourrais prendre Badou. Hein. Bon par contre oui, c'est vrai que Richard le Lion a tendance à être un peu chiant avec ses cheveux tétoniques d'élite. Hein. D'où l'utilité d'avoir toujours quelques armes électriques, fantassins art. Puis pour moi, un skin d'arbalète, je suis désolé. Archer, ça se voit mieux que c'est un arc ici, c'est vraiment un skin d'arbalète. Donc, ça peut m'arriver que je dise arbalétrier ou dire fantassin arc, hein, m'en voulez pas.
Il y a encore deux à pierre ici. Il y a un immense campement militaire. Voilà. Eh mais je suis quasiment insensible à ces dégâts. D'accord, en réunion qui se muse dans mes nuages. Alors s'occuper des champions ça va être simple, s'occuper des chevaliers teutoniques ça va être un petit peu plus compliqué. Je sais pas si... Non, on n'a pas encore accès à cette technologie. Je suis en train de refaire les campagnes des autres DLC dernièrement. En train de me traîner un peu dessus. J'ai déjà reçu une campagne, j'ai pas réussi en difficile, j'ai fait la moitié en difficile là, donc je suis déjà content. Il y a certaines technologies je trouve sont ultra fumées et que j'apprécie énormément. Ah oui, je sais, c'est totalement égoïste, mais tant que mes voisins me rapportent des ressources, je laisse mourir. Par contre, les tours à bombarde, ce que je reproche aujourd'hui aux tours à bombarde, c'est que c'est considéré comme des dégâts à distance, non plus comme des dégâts au corps à corps. Avant, une tour à bombarde, ça vous détruisait facilement un bélier. Maintenant, ça enlève un PV au bélier. À moins qu'ils aient corrigé ça par un patch que je ne suis pas au courant. C'est toujours le cas, et je trouve ça que c'est quand même un gros problème. Ah, finalement, forteresse au nord tient plutôt bien compte tenu des situations et compte tenu des troupes adverses. Voilà. Là, je vais faire un repli stratégique pour soigner toutes mes troupes à ma base. Et je vais maintenant reconstruire un peu plus. Avec deux trébuchets en plus. On va en construire 22 plus. Oh merde. Oh, j'ai pas vu le coup. Normalement, je dois arriver au compte que je veux de soldats. Bon, d'un côté, si on regarde déjà, j'ai quand même récupéré pas mal de ressources. J'ai énormément de pierres en avance grâce à mes raids précédents. 7, 8, 9, 6, 11, 12, 13, 14, 14. Donc c'est déjà pas trop mal, tout ce que j'ai récupéré. Ici, le bois, je suis obligé en fait d'essayer de me montrer assez agressif parce qu'il me faudra le bois. Ça me faudra le bois, il me faudra du bois plutôt. Et construire un port vous sera aussi assez pratique. Pour
pour notamment pouvoir faire quelques, toujours avoir quelques navires d'incendie au cas où s'ils font des canons à canon d'élite. 36 infanteries, ce qui est pas mal. Compte tenu de la situation et compte tenu de ma pop limitée, je suis plutôt dans une bonne voie. 41 minutes, est-ce que je peux finir la vidéo en 20 minutes? Je pense que oui. Par contre, priorité, moi j'ai rasé Henri le Lion. Nous avons découvert un truc qui me plaît pas chez lui, c'est qu'il fait des chevaliers teutoniques d'élite. Étant donné que c'est la meilleure unité du jeu, bah, j'ai vu 15 de portée, c'est dire qu'il a le calgué en canon d'élite, c'est génial. C'est la merde. Mais bon. Ah ouais, une fois que je perdrai mes villageois en haut, ça sera bon. Ouais, je me fais Je me fais tour des ressources, j'ai tour de villageois là-haut, me demandez pas comment ça se fait qu'ils ont survécu aussi longtemps. Ils auraient jamais dû. Je focus les... pas vraiment ce qui est... Ça n'a pas vraiment atteint son but. Mon ancienne forteresse en Italie est quand même bien rasée. Bon, faut dire que ma nouvelle forteresse est quand même plus... C'est vrai que j'ai perdu le château au nord, donc c'est sûr qu'à pop en rap, je vais la perdre. Non ! Putain, mais ils vous ont fait quoi, mes villageois ? Enfin, mes deux moines, là. Sérieusement ? C'était des gentils villageois, enfin des gentils moines, ils avaient rien fait à personne. Bon, c'était aussi... Mes moines aiment servir surtout à capturer des autres chevaliers teutoniques. Et à soigner mes troupes. En combat de chevalier teutonique, c'est ceux qui en ont le plus qui gagnent. Mais bon, c'est comme en combat de n'importe quelle unité, c'est généralement ceux qui en ont le plus qui gagnent. Voilà, là on arrive. Vers une zone un peu plus sensible d'Henri le Lion. Et vers sa base. Sa porte de sa base est ici. Voilà, ici sur deux moines qui vont maintenant tourner là-haut. Alors, les champions font beaucoup de dégâts, ça je dois l'admettre. Cependant, ils sont tellement peu résistants. Enfin, ils ont tellement peu d'armure par rapport à des chevaliers teutoniques que ça en devient triste. Ouais, ils font quand même 17 de dégâts. Donc... Et les tours, par contre, sont à courant de menace, ça. Y a rien à dire là-dessus. Et les padins sont utiles en gros pour après faire la razzia des troupes.
22 dégâts à vie à voir. Deux coups pour une tuer. Il y a une recherche qui aurait pu m'être très utile, je viens à peine d'y penser, c'est un rechercheur. Bon, le château, une fois détruit, c'est la majorité de leurs menaces seront neutralisées. Le château en plus il est bien positionné, étant donné qu'une fois que j'avance un tout petit peu trop, il peut me tirer dessus. Mais bon, c'est Faez qui a eu des avantages. Voilà, ici elle va tomber. Voilà, et dernier chevet teutonique sont en train de tomber. On va faire ça. Et voilà. Alors, les cheveux teutoniques sont bien contre cet adversaire-là. Contre Véronne, ça sera une autre partie, parce que c'est un petit peu plus problématique. Pour pas dire que c'est beaucoup plus compliqué contre eux. Véronne fait beaucoup d'unités de tir à distance, des gagnés à main. Tu vois ce gênant du nez, le petit souci du canonnier à main. On a des troupes très fortes en mêlée. Il a voulu me trahir, il a perdu. Qu'on soit d'accord. Bah, quand vous pouvez foutre deux coups, non, ça c'est pas un. Si c'était un bon, j'ai vu jaune l'espace d'un instant. Bon, par contre, ils vont plus vite que mes cheveux teutoniques, donc c'est facile de m'énerver pour leur chasse. Voilà. Et on passe un peu à la chasse, je vais pas vous mentir. Mais bon, faut dire qu'ils sont quand même légèrement problématiques ces troupes. Hein. Donc eux ils ont fait leur travail. Ici tous mes bûcherons. Ouais. Ils vont venir ici. Donc il y a une caserne. Bon là vous voyez le petit souci que je vous parlais. C'est quand Véronne monte le bout de son nez, on apprécie moyen. En fait c'est là que vos paladins prendront leur sens. Yeah.
Oh putain, oh putain. Encore une fois, le temple des moines. Bon, le bon point, c'est que l'économie est bonne. Faut toujours regarder, faut toujours essayer de positiver un peu. L'or, j'ai un gros gisement d'or ici qui va m'être très utile, pour être sincère. Même si je vais encore devoir dépenser en foi pour être plus résistant à capture. C'est pas grave, il me faut ici deux écuries pour qu'elles puissent tourner en parallèle l'une de l'autre. Il faut que je fasse cette recherche à barde plaquée. Padoue devrait pas être dur à détruire par rapport à Vérone. Étant donné que ça demanderait que des chevaliers teutoniques. Ça me demanderait pas de recherche en plus, donné qu'ils sont déjà totalement upgrade, les miens. Mais bon, je n'ai pas la possibilité d'aller là-haut. J'ai plus de risque de perdre mes troupes. J'ai pas possible d'aller là-haut. Je suis bête, il me reste des villageois. Donc voilà, est-ce que Vérone sera dur à prendre? Je pense pas. Pas 12 devrait être beaucoup plus simple si je fais des troupes pour apprendre. Notamment 3 navires de transport. Le problème c'est que. Ils sont en fer 10. Alors ces cavaliers vont aller chasser les villageois restants d'Henri le Lion. Je veux sa mort. Je veux sa tête sur un pic. Je veux aucune de ses troupes en vie. Donc je vais m'y prendre de toutes les manières possibles et inimaginables pour le massacrer. Mais... Après, les paladins peuvent être... On a du... mes paladins... Ah, j'ai plus d'or. J'ai plus d'or. Et il va me manquer normalement une place dans le dernier transport. On va faire un trébuchet de moins. Bon. Maintenant, on va chasser un peu Henri le Lion. J'ai trop tardé, voilà ce qui se passe. Je tarde trop, il y a... Bon, c'était prévisible, je sais. Ça sert plus à rien que j'ébarque en haut. C'est intéressant de le faire jusqu'à là, mais s'ils ont autant fortifié, ça sert plus à rien. J'ai voulu tenter au moins, mais
Ça par contre c'est un bûcheron d'Henri Lyon. Ah l'or, l'or, l'or. J'aimerais bien que capitule quand même Henri Lyon. Mon gars, on va faire le siège de Vérone. Comme ce que j'aurais dû faire depuis le début. Alors l'avantage du fait que j'ai fait une forteresse à haut, c'est que ça a occupé pendant un bon moment Padoue, qui m'a pas attaqué ma base principale, donc c'est plutôt un bon point. Je recherche globalement assez vite les paladins habituellement pour affronter Padoue et ses trébuchets. Henri Lyon a enfin abandonné, ce qui est un excellent point. Donc ça veut dire qu'il reste plus que deux adversaires à raser, enfin plus que trois. Mais il faut savoir que Venise n'est pas une menace en soi, étant donné qu'il compte énormément sur sa marine. Et que sa marine a tendance à rester sur l'eau. Ah, je sais, je viens de vous apprendre une information. Les navires restent sur l'eau. Bon, là on va filer cette carrière et ces villageois vont venir ici. Me prendre toute l'or qui reste là. Et les paladins, je les ai. C'est, je crois, la recherche la plus longue du jeu, la recherche des paladins. Alors, Vérone, vous avez vu sa composition d'armée. Cannonnière à main.